Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouveau petit face-à-face, un petit duel spécial BMW. Et on va comparer aujourd'hui dans cette vidéo la BMW M8 Compétition qu'on va mettre face à la BMW M4 G82 qui vient d'être ajoutée sur Forza Horizon 5 via la mise à jour numéro 11. Donc voilà, un petit spécial BMW qu'on va faire sous le tracé du Top Gear Equinox et qu'on va faire du coup avec sa voiture d'origine. Alors pourquoi le tracé du Top Gear Equinox? Tout simplement parce que je trouve que ce tracé au final est pas mal adapté à ce genre de voiture. Il y a quelques virages serrés, il y a un petit peu de virages larges et il y a surtout, on va dire, une bonne grosse ligne droite qui permettra quand même de pousser un petit peu ces voitures, voir un petit peu quelle pointe on arrive à prendre avec et voir un petit peu leur tenue route à haute vitesse. Effectivement, de temps en temps j'utilise ce circuit là, de temps en temps j'utilise un autre circuit spécial face à face que j'ai créé aussi sur Forza Horizon 5. Voilà, aujourd'hui vu des bagnoles, je pense que c'est plus adapté ce tracé là que le précédent. Donc voilà, dans cette vidéo on va tester les deux l'une après l'autre d'origine et on va voir un petit peu tout simplement laquelle fait le meilleur chrono, laquelle est la plus agréable à conduire. Et puis à chaque fois je vais vous faire aussi quelques petits rappels sur ces modèles, puisque là on commence donc par la BMW M8 Compétition qui a été ajoutée elle sur le jeu en DLC aux alentours de la mise à jour numéro 8 de Forza Horizon 5. Je pense que globalement c'était une des voitures en DLC qui a le mieux marché, qui était des, on va dire, dans les plus attendues. Donc pour rappel, on a une voiture qui est équipée d'un moteur V8 4.4 biturbo qui sort 617 chevaux sur la version compétition qu'on a ici. Alors la voiture est relativement lourde, déjà parce qu'on a un gros moteur, mais aussi parce que c'est une 4 roues motrices. Du coup on est aux alentours des 1 tonne 9, quasiment 2 tonnes. Mais elle est capable de faire 0 à 100 en 2 secondes 9 et de taper une vitesse de pointe aux alentours des 340 km/h. Donc même si elle est lourde, le fait qu'elle soit quand même très puissante et que, on va dire, l'aérodynamisme soit plutôt pas mal travaillé, donne quand même des bons chiffres et des bons résultats à une voiture comme celle-ci. Donc la petite ligne droite, je vous en parlais tout à l'heure, qui va nous permettre du coup de pousser un petit peu les voitures qu'on va tester aujourd'hui à pas loin de 300 km/h, peut-être même au-dessus de 300 au final. Oui, clairement, on va atteindre peut-être 310. J'aurais peut-être pas dû passer ma 7ème, si au final, 310 km/h. Et puis on verra d'ailleurs si avec la M4 G82 on fait autant. Alors il faut dire un truc, c'est que la M4 G82 est quand même beaucoup moins puissante que ça, mais elle est aussi beaucoup plus légère, dans un style au final un peu plus sportif. La M8 et la série 8 moderne, au final c'est plus un espèce de grand coupé GT qu'une vraie sportive. La M4 G82 se rapproche plus d'une sportive au final que la M8 qui est plus grosse, qui est plus lourde, qui est plus performante en ligne droite aussi, mais qui est aussi plus confortable, qui a aussi, je crois, plus d'options de confort, on va dire ça comme ça, que la M4. Et qui est aussi d'ailleurs plus cher. Il me semble qu'une M8, c'est 20-30% plus cher qu'une M4, qui est déjà pourtant assez cher. Donc voilà, petit rappel, hein, c'est un DLC. Donc s'il y en a qui sont intéressés, sachez comme d'hab que les DLC de Forza Horizon 5, vous pouvez les avoir à prix réduit via mes liens de soutien sous cette vidéo. Sur Instant Gaming, vous pouvez avoir le Car Pass et le Premium de Forza Horizon 5 à, je crois, 20 ou 30% de réduction. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment ces véhicules-là et que vous n'avez pas la possibilité de les choper plus tôt, ou que vous voulez tout simplement les choper mais à un prix un petit peu avantageux, n'hésitez pas à utiliser mon lien, puisque ça me soutient par la même occasion. Et d'ailleurs, pensez aussi à vous abonner pour les prochaines vidéos, puisque là, dans la semaine, il y aura le retour, notamment de la série vidéo des oubliés. Et il y aura évidemment aussi les actualités Forza avec le test des nouvelles voitures qui arriveront jeudi avec les mises à jour. Et aussi peut-être un nouvel épisode dans la série David contre Goliath. Ça fait aussi un petit moment que je n'ai pas fait. Donc voilà, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, dès la sortie de cette petite vidéo, vous serez notifié. Voilà, clairement sur ce genre de secteur, ce genre de virage, on sent quand même que la M8 elle est un peu grosse. Hein. On sent que elle fait son poids. Mais par contre, elle n'est pas si sous-virose que ça pour une 4 roues motrices, donc c'est plutôt assez agréable à ce niveau-là. Et on va faire 4-0-3 et des poussières. On va du coup se refaire le même circuit, mais avec la M4 complètement d'origine, pour voir un petit peu le chrono. Donc c'est parti maintenant avec la M4 G82 complètement d'origine, on va voir un petit peu le chrono qu'on arrive à faire avec. Alors c'est ça que j'ai pas précisé pourquoi j'avais pris ces deux BMW sur cette vidéo et pas d'autres. Simplement parce qu'il y a quelques temps, et d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo, elle date de la saison 8 de Forza Horizon 5, j'avais fait un spécial BMW M en vidéo dans lequel on avait fait un face-à-face entre la plus récente M5, la M8, la plus récente M6, la plus récente M3, M4, M2, M1. Et du coup, la M4 à cette époque-là n'était pas encore sur le jeu. Et j'avais envie de faire un face-à-face spécial, on va dire, BMW ultra moderne. Et si on cherche vraiment les BMW les plus modernes sur Forza Horizon 5, il n'y en a que deux. Hein. Il y a vraiment celle-ci et la M8 Compétition. Les autres datent d'il y a quand même plusieurs années.
Donc voilà, même si certains vont dire que ça fait peut-être doublon, au final c'est pas le même face-à-face que celui que j'ai fait à l'époque. Déjà parce qu'il n'y avait pas la M4 et en plus de ça parce qu'on n'avait pas pris le même tracé. Là on a un tracé qui est un peu plus adapté, je pense, à ce genre de voiture. Et du coup, on devrait avoir aussi, je pense, des résultats un peu différents. Donc, je vous le disais, la M4 G82 est sur le papier moins performante que la M8 parce que déjà on a 110 chevaux de moins. Là on a 510 chevaux sur le 6 cylindres 3 litres, qui est donc aussi d'ailleurs un plus petit moteur évidemment que sur la M8 avec son V8 4.4. Mais on a aussi 225 kg de moins sur la M4, donc au niveau rapport de puissance, ça se vaut très largement. Le 0 à 100 se fait en 3 secondes 6. Alors, effectivement, c'est moins bien que la M8, mais c'est surtout parce qu'on a une propulsion ici et pas une voiture en 4 roues motrices, donc ça décolle, on va dire, moins facilement. La vitesse de pointe est aux alentours des 310-315 km/h. Donc là aussi, c'est un petit peu en dessous de la M8, mais au final, c'est logique, on a quand même beaucoup moins de puissance. On a une voiture qui est plus, on va dire, centrée sur l'accélération et la tenue de route par rapport à la M8, qui est elle plus centrée effectivement sur le confort et l'accélération et la vitesse. Donc on a quand même des caisses vachement différentes à conduire, vraiment ça n'a rien à voir. Pour le coup, même si les deux sont récentes, les deux ont à peu près les mêmes gueules, on voit que c'est la même génération de BM, ça n'a rien à voir du tout niveau pilotage. Personnellement, je ne sais pas laquelle je préférais entre les deux, j'avoue, pour le style. Je préfère quand même la M8 parce que j'adore le format GT justement avec un capot un peu plus long et un coffre un peu plus petit. Par contre, j'avoue qu'en termes de conduite et en termes de... je sais pas, de maniement, on va dire ça comme ça, je trouve que la M4 est beaucoup, beaucoup plus cool et beaucoup plus efficace. Même si pourtant c'est une propulsion et qu'on peut se dire qu'une propulsion est moins efficace, en certaines circonstances, je trouve que la M4 est vraiment largement mieux. Alors oui, pour info, sachez que celle-ci, d'ailleurs, vous pouvez toujours la débloquer, hein, c'est pas une voiture payante, c'est pas une voiture du CarPass comme la BMW M8. La M4 G82, pour la débloquer, il suffit d'atteindre 80 points de section festival sur la saison 11 de Forza Horizon 5. En gros, vous avez 4 semaines pour faire 80 points. Voilà, évidemment, si vous avez déjà beaucoup farmé le jeu, normalement, au bout de 2 semaines, vous pouvez déjà la débloquer. Mais si vous avez un peu moins farmé, pas de panique, hein, vous avez encore 2 semaines et demie de rab pour la débloquer, ce qui, normalement, devrait suffire. Déjà, si vous faites la nouvelle story, vous prenez 12 points. Si vous faites le test chaque semaine, ça vous donne déjà 40 points sur la saison, il me semble. Hein, je crois que le test, c'est 10 points. Donc là, déjà, vous êtes à 52. Puis après, si vous faites les 4 forzatons, vous êtes à 72. Il me semble que le forzaton, c'est 5 points. Après, il suffit de faire un ou deux radars sur la saison ou des panneaux danger ou autre et vous serez à 80 points. Donc ça se débloque assez rapidement. Je pense qu'en 1h15 sur le mois de septembre et août, vous pouvez débloquer cette voiture-là. Peut-être un peu plus que ça si vous faites effectivement la story, mais c'est pas forcément le moyen non plus le plus efficace de faire 80 points. Alors je pense que par contre niveau chrono, effectivement, ça va se valoir. Hein. On va faire probablement un peu moins bien avec la M4, mais à pas grand-chose près. Hein. Après, il faut le préciser aussi, la M4, on est en A770 d'origine, alors qu'avec la M8, on était en A790, donc 20 points de plus d'indice performance. Même si ça ne veut pas toujours dire grand-chose, indice performance, clairement 20 points de plus, ça veut quand même dire qu'on a une caisse qui est un peu plus performante. D'ailleurs, sur les deux voitures, il y a des personnalisations, je précise, mais sachez que si vous êtes, on va dire, un peu amateur de custom, de tuning et tout, sur la M8, il me semble qu'il y a le kit AC Schnitzer, et sur la M4, il n'y a pas le kit AC Schnitzer, mais il y a le kit M Performance, si je ne dis pas de bêtises. Donc là aussi, vous avez la possibilité de vous faire des kits custom et un petit, comment dire, un petit preset configuré pour vous, plus ou moins stylé selon ce que vous voulez en faire. Et effectivement, on va faire un peu moins bien, à pas grand-chose près. On fait 4,07, 4 secondes de moins, en ayant une voiture qui a pris 20 km/h, mais peut-être 30 de moins sur la ligne droite, et qui a eu un beaucoup moins bien 0 à 100, beaucoup moins bon plutôt. Clairement, c'est assez serré. En fait, je pense qu'on aurait eu que du virage, la M4 serait loin, loin, loin devant, et on aurait eu que la ligne droite, la M8 serait loin, loin devant. Mais vous voyez, sur un circuit comme ça, qui est au final pas trop déséquilibré, ces deux voitures se valent carrément. Personnellement, ma préférée, je vous le dis, niveau pilotage, c'est celle-ci, niveau style, c'est clairement la M8. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi laquelle est votre préférée. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, évidemment aussi, pour être notifié des prochains lives que je ferai. Vous trouverez la chaîne Twitch en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez même soutenir ma chaîne graphiquement en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui permettra en plus d'avoir plein de petits avantages, plein de petits bonus gratuitement. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats, je vous le disais tout à l'heure, soit sur Instant Gaming, soit sur Mattel.net pour ceux qui veulent acheter des configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, c'est faisable aussi en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera là aussi profiter évidemment de plein de petits avantages, de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.